début, il était quoi, bah ? Finale de la Supreme League, donc une finale attendue. On en avait fait un objectif, un des objectifs principaux en amateur pour la saison à la Old School, et on n'est pas loin de remplir nos objectifs. Donc on arrive avec une équipe complète, une équipe de 8 combattants. Si on ne remplit pas l'objectif ce soir et si on ne gagne pas, la fête elle sera quand même un petit peu gâchée. Je ne suis pas voyant, je ne peux pas savoir comment ça se passait, mais je suis déjà très fier de mes troupes et je leur ai dit tout à l'heure. Je suis très content de l'aventure qu'ils ont eue jusqu'à présent. Lui, l'alcool et tout, ça rend un peu de connerre. Oui. J'entraîne blessé, je coach blessé. Ça va être tout un art de faire des allers-retours, des vestiaires à la cage. Pour une fois, j'ai un coach qui est pas très pédagogique. Il est pas très gâté par la nature, t'as vu ? C'est un kiff, c'est pas quelqu'un qui est. Tu vois ce que je veux dire ? Il est pas très. Alors, ça se sent qu'il est de la. Hein, du milieu rural. Ouais, parce qu'il n'est pas à fond du 94. Gauche, après tu me fais feinte, droite, jambe avant. Ok ? Ça marche. Allez. Ok, monte jambe avant un peu. Très très bien. Franchement, percutant, bien, comment on appelle ça ? Bien réglé techniquement. Ils ont envie d'en découdre, ça se sent. Et il y a du level. Il y a du level hein, en striking, donc je suis. C'est que du positif. Et un peu de atécrase bas. T'écrases bas, c'est quoi? Je comprends toujours pas sa langue. C'est parti. Red side, comme d'habitude. Comme au Sanda, red side. Every. On n'a rien besoin de prendre. Hein. Ça va, coach? Ça va, coach, c'est à toi qu'il faut le dire. Juste que tu l'aies ta mère, après on est bien. Faut couper ça. Viens bouton qui va. Faut m'y perdre alors. Je te dis, viens bouton. Gagner ce round, hein. Mec, faut gagner ce round. Hein. Il est dans le dur, il frappe sur des crochets courts, t'as l'avantage de la distance. Tire profit. 13-3 minutes pour briller là et pour mettre ton équipe sur les bons rails. Une vigueur de plus. Très très bon combat de vous deux. Très très bon combat, merci. Yeah.
vraiment méchant. Triangle, omoplata, ovarie, les deux. Alors moi j'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai fait plusieurs disciplines, telles que le taekwondo, karaté, et énormément de jiu-jitsu brésilien. Et ensuite après avec ça je me suis mis au MMA. Et là ça fait quelques temps que je m'entraîne avec Aldric Cassata. D'ailleurs je le remercie pour ses conseils au quotidien, son investissement qui me permet d'évoluer chaque jour. Mon adversaire, il avait demandé la ceinture des 61 à l'AEF. C'était pour moi logique de lui montrer que c'était pas encore prêt pour lui et que je veux la ceinture. Voilà. Les combats mec, 4, 5 rounds, 6, 7, 12 minutes de combat, on bat les feux. Il a gagné. Là, là, c'est bon, là, je passe pro là. Ah ouais. Putain, c'est ça que je voulais pas faire. Pourquoi? Je vais te porter, là, vite. Passer pro. Allez, ça, c'est bon. C'est ici? C'est là? Ouais, c'est là, je suis en fou. Bravo! On va y fatiguer les gars. Écoute, on avait prédit que ça allait être très très serré, c'est le cas, avec une superbe équipe de l'Old School, donc qui nous propose de super combattants dans les catégories de 57 et 61 kg, c'est ce qu'on a vu là ce soir. Un 61 kg là qui m'a juste impressionné. Voilà, un gars qui paye pas de mine, c'était le joker de l'Old School, bien joué pour eux. En 57 kg, on a David qui a pu gagner par décision contre Bilal. Et puis on a le poids lourd, donc notre joker, Liam Bugère, pardon, qui a montré qu'il était capable de beaucoup à l'avenir. Et moi, je crois en lui et je pense que c'est quelqu'un qui va faire parler de lui dans les prochains mois. Tu restes debout mec, à gagner. Tu t'amènes, tu restes debout, t'engages pas. Et même si tu sors, tu cherches à sortir de l'ombre. Voilà, les coups du sol. Okay. Le laisse pas, toi, pas qu'il déclenche. T'as une belle boxe, t'es bien hermétique, t'es dur. Ça bouge là-haut, bam, je décroche, je viens chercher le corps à toi. On sait que t'as triché sur les autres décisions, on n'a rien dit, cette fois-ci c'est la mienne. Ryan il a gagné, Bilal il a gagné, tu vas pas nous avoir plusieurs fois, ça va être que des finishes à partir de maintenant.
vrai geek. Je te jure, dinguerie de ouf. Là, il a fait un effort de ouf déjà. Attends, attends, je fais pas de normaliste que vous. Pas les kilos. 77 kilos, c'est Théo Boudin qui descend pour cette finale. Sa particularité, c'est qu'il a des, il a du plomb dans les mains. Il a 11 victoires en amateur pour une défaite. Et je crois qu'il a 5 ou 6 victoires avant la limite par KO, TKO. Donc c'est un mec qui frappe très lourd. Théo Boudin. Il t'attend sur ton cash contrôle. Boxe-le et attends le bon timing pour le balancer sans passer par la cage. Regarde-moi. Dès que t'as une main intérieure, tu sors le bassin. Droite, gauche, droite, gauche. Reste à distance, tu gagnes ce match-là, tu restes à distance, d'accord? Et tu te laisses pas cadrer, si tu te laisses pas cadrer, tu restes à distance, tu peux gagner ce combat, d'accord? Il t'emmène plus. Nelson, je le connais, je le vois à l'entraînement et tout. Voilà. Quelqu'un de très assidu, qui est dur, qui lâche rien. Donc, j'ai confiance en Nelson. Comme on dit en Bretagne, Inch'Allah la victoire. Et puis, dur. Surprendre sur un double leg parce que un petit peu naïf, il a bien explosé. Si tu sais m'éviter ça, tu vas le mettre KO. Ok, c'est là. Hein. Quand ça part pour la bagarre, tu ressors. Ok, il va pas tenir. Il va pas tenir. D'accord, rentre sur lui. Pas besoin de plonger n'importe comment. Quand il fera l'erreur, tu l'amènes. S'il n'y a pas d'erreur, exactement. Ne plonge pas comme ça. Je t'ai battu en tout cas, mec. Bah oui, c'est filmé. C'est ça, il y a des mauvais bons perdants, mauvais perdants, mauvais perdants.
Je te demande de déplacer sur la gauche. Sur quoi t'es touché là? Sur un high-tick jambe arrière. Pourquoi? Parce que tu te déplaces du mauvais côté. Inspire-le, déplace sur ta gauche, contrôle son bras avant. Tu te laisses un moment de rouge, mais on a gagné. Un match.